Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition. Rendez-vous pour mardi 29 octobre 2024. Là. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Quel est un grand point qui a dominé l'actualité? Actualité électorale là, aux États-Unis, dans un moment arrêté une semaine pour l'élection présidentielle 5 novembre. Candidats ont continué à multiplier rassemblements et apparitions médiatiques pour convaincre électeurs indécis. Région Moyen-Orient en Israël, Parlement voté pour interdiction fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens UNRWA dans Palestine pendant la guerre a continué dans la région. Et puis dans le pays d'Haïti, et demandé Mambliyo qui dans le gouvernement pour ne pas siéger à KPTA avec présence membre qui impliqué dans le scandale corruption BNCA. Bonsoir, on le fait encore dans le chapitre élection ici aux États-Unis. N'a pas accueilli Jean-Robert Philippe. Jean-Robert gagne un pile secteur dans la société ici aux États-Unis qui a gagné gros influence dans l'élection. Donc, aujourd'hui, on a considéré Jean-Robert communauté LGBTQ plus là, Jean-Robert. Effectivement, Jacques, j'en dis à un moment manqué, une semaine pour l'élection déroulée, et bien, deux candidats, eux, n'a pas eu de Kamala Harris avec Donald Trump, et bien, il a accéléré, campagne a mené dans sept états clés, avec une attention spéciale sous groupe LGBTQ plus là. Candidat parti républicain Donald Trump avec rival démocrate Lee Kamala Harris a courtisé communauté LGBTQ plus là. Donc c'est monde qui garçon ma commère, mesdames mon compère, monde qui change sexe avec monde qui pas qu'à identifier tête comme membre un sexe ou bien l'autre là. Segment électeur ça yo capable de faire une différence dans sept états clés qui capable décider prochain locataire Maison Blanche là. Candice Kane t'a aidé à normaliser la présence étrangère dans la série drama à télévision Dirty Sexy Money, ça a gagné 15 ans. We can't go backwards. Dans l'élection 2024, là, Candice Kane déclaré victoire difficile pour droit LGBTQ plus qui a remporté, gain gros risque sous lui si candidat parti républicain Donald Trump remporté l'élection. Non pas capable de faire demi-tour. Parti républicain a essayé de faire demi-tour dans une période côté seulement un groupe monde qui a droit. C'est vraiment important et effrayant. Mais comme pays, on a choisi de faire ça qui est bon. A-t-il eu supporté Trump à cause de bon dossier comme président? I like the ultimately the results that he had because the economy was so good, the border was pouvoir. À cause économie anti bon en pile te gen problème sous frontière c'est vrai mais pas tant que j'en ai jodi a un rapport Pew Research publié moi j'ai passé a montré environ moitié supportait Trump yo déclaré légalisation mariage monde même sexe aux États-Unis pas bon pour société a David Keane déclaré Trump pas représenté yo menace pour mariage monde même sexe cherchait Ariel Johnson exprimer inquiétude li. Pour lui, Trump capable de menacer mariage monde même sexe et capable de mettre en danger et statut d'immigration madame Li. Johnson a ajouté pigou souci li gagner concernant les républicains yo, ces restrictions pour monde faire ou pas faire petit. Donc au fertilisation in vitro IVF qui c'est une question controversée jeudi à. Pigou organisation LGBTQ plus républicain manifesté moi ça en faveur Trump dans sept états clés qui c'est Michigan, Georgie, Wisconsin, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Arizona et Nevada. Cet état clé qui est capable de déterminer vainqueur élection. Pour Harris, Comité national Parti démocrate l'a financé une campagne publicité médiatique à Will Vote. On peut le voter dans 16 publications LGBT+. Sondage groupe militant campagne droits humains LGBTQ+ publié mois passé a montré 90% américains LGBTQ+ inscrits motivés pour voter dans l'élection 5 novembre. Sondage ça by Harris a presque 67 points avantage devant Trump parmi électeurs LGBTQ+. Effectivement, Jacques, j'entendais jeudi, il y a ancien président Donald Trump qui a mené une campagne en Pennsylvanie, et puis il y a Kamala Harris qui était à Washington, et qui a participé à un meeting populaire, tout près Maison Blanche, là, même côté ancien président Donald Trump, qui a prononcé discours qui a chauffé tête supporté Lyo, 6 janvier 2021, Jacques. Merci Jean-Robert Philippe. Nous prêté toujours dans le chapitre élection ici aux États-Unis et nous prenons dans New York avec Valérie Saint-Louis qui pral dit nous rôle la jeunesse dans l'élection aux États-Unis, qui rôle est capable de jouer pour déterminer nouveau président
ici aux États-Unis. Récemment, leader étudiant dans Montgomery College, dans la commune Rockville, qui est dans l'État Maryland, a créé un simulacre bureau de vote ensemble avec un échantillon bulletin vote et puis a invité officiel élection puis a venu faire éducation électorale dans l'école. Là. C'est un effort pour préparer élèves pour y aller voter dans l'élection présidentielle aux États-Unis dans quelques jours qu'à venir là. Britney Green, c'est un organisateur dans l'exercice simulacre vote ça. Today's event was all about événement jodi a été basé sur éducation électorale et puis fait moun yo wè biro vote yo puis wè sa ki yo pral faire comme expérience dans biro vote yo. Participants yo tankou Akman Demeng semblait bien apprécier exercice ça. I just want to see how it feels like voting for the first time. Moi juste vle wè ki jan santou tankou lè w ap vote pou premier fois. Ça c'est première fois moi pral voter dans élection présidentielle là. Jeune voter ça yo pote attention yo sou une série de problèmes qui important dans élection ça. Problèmes financiers avec dette pays. Moi t'as dit changement dans climat important et puis droit monde pour faire petit. Dans course présidentielle là ici aux États-Unis, entre républicain Donald Trump et démocrate Kamala Harris, puis faut étudiant nous t'ai fait interview ensemble avec yo pas de dire nous pour qui monde pral voter. Mais dans l'État Maryland là, gagne une grosse majorité monde qui démocrate. L'état ka aller en faveur Kamala Harris. C'est comme ça nous demandé leader jeune républicain dans l'État de Georgia, Jacqueline Hahn, qui problème qui est important pour républicain pareil yo. Pour un pile moun, l'idée dit nous c'est économie. Entre logement ak inflation ak prix market et puis prix gaz qui a augmenté. Li pa bon d'ap di tout pour moun vivre et puis gagne une famille ces jours-ci. Et puis nous demandé le tout qui façon que campagne nous ta doué faire pour y arriver joindre jeune voter yo. Ou pas arriver joindre yo électeur ça yo rele Gen Z yo avec système appel en groupe yo sous téléphone ou soit yo appel direct dans téléphone yo parce que yo probablement gagne un bloc sous téléphone yo ou soit yo juste pas pral répondre un numéro que pas connaît. Nous c'est une génération médias sociaux, tout ça nous garder yo c'est sur réseaux sociaux yo. Harris Sisson c'est une influenceur médias sociaux qui démocrate. Li dit que le d'accord avec ça. Moi t'as dit que l'application nouvelle pour jeunes mounio c'est probablement TikTok. Ça c'est plateforme principale moi. Moi pensais que c'est surtout parce qu'il est facile. En pile dans segment nouvelle yo que nous ouais sur TikTok, c'est 30 à 60 secondes que yo y. Entre-temps dans commune Herndon dans état Virginia, yo supporte Kamala Harris, Camila Alvonzo Meza, marché alkay en kay dans espoir pour l'encourager mounio à voter pour candidat par lui. Yo pas toujours l'ouvri porte pour lui, mais le kembe là, il pas découragé. Lee dit nous depuis que Kamala Harris a passé président Joe Biden, course présidentielle là t'est dynamisé pour jeunes démocrates. Alfonso Meza pensait que bloc voteur catégorie jeunes ça qui aurait les Gen Z qui gagne plus passé 40 millions jeunes là-dedans, qu'a fait une différence réelle dans l'élection présidentielle ça qui vient là. Lowell Bowman pour VOA News, adaptation Valerio Saint-Louis pour VOA Creole. Donc il y a un pile couche dans pays qui pourrait jouer un rôle et vraiment important dans le choix nouveau président. Pendant ce temps haïtien dans diaspora puis précisément en Floride, gagne attente par rapport à nouveau président. Luxon Saint-Ville t'est parlé à quelques là-dedans. Partisans qui a plongé affiche by moun qui a passé, citoyens qui a fait rentrer sorti dans bureau vote qui permet citoyens voter bonheur. C'est comme ça ambiance là dans diverses zones dans Miami et Fort Lauderdale dans l'état Floride dans communauté haïtienne nan, majorité citoyenne parler à qui déjà connaît pour qui est y a voté. Bon élection 2024 là c'est une élection et nous capable dire c'est une élection historique. Alors moi-même clair moi-même campé de Kamala Harris parce que me senti histoire de fête. Bon on va gagner dans lutte lié. Kamala a besoin de place là, Trump même. Il voulait Folgen. Finalement, on va comme ça, bon. Je vais bon Kamala. Bon, son filié, peut-être la bien pitié pour fille pareille. Pour femme qui a passé misère. Et moi, c'est une élection qui est très facile. Moi, c'est une élection que Trump a passé avec un pile couleur. Et moi, ouais, son élection qui a un pile question là dans tout, même avec 2020. Et conseil de petit discrepancy, et différence qui a monté dans le domaine. Nan. Mais nous avons suivi pour nous. Ouais. 5 novembre, tout haïtien a voté Trump. Parce que si nous avons voté Kamala, c'est même continuité à voter. Vous comprenez, moi, je dis ça, c'est même continuité à voter. Ça veut dire que pas aimé Haïti vraiment soit voter Kamala ou pas aimé Haïti. Mais qui a eu une élection? Nous tout après t'étonne. C'est bon Dieu qui a fait, pas nous qui a fait. Même si nous avons voté, c'est bon Dieu qui a travaillé. N'importe ça qui est bon, you welcome. Pas de problème. Parce que faut nous avons un dirigeant pour diriger nous. Si nous avons un dirigeant Haïti, notre position Haïti est là, nous ne pouvons pas faire ça.
N'a pas rappelé depuis 21 octobre qui s'est passé là, qui cette date autorité te l'ouvri officiellement bureau vote pour permettre citoyens de voter bonheur. Jusqu'à hier en après-midi, gagné presque 4,6 millions citoyens qui déjà voté dans l'État Floride, ça qui représentait un tiers dans électeurs qui inscrit pour l'État ça. Chiffre ça réparti comme ça, plus passé 2 66 000 républicains et plus que 1,5 million démocrates qui déjà voté à quelques jours de l'élection. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Actualité dans la région Moyen-Orient, Parlement Israël a approuvé un projet qui interdit fonctionnement agence des Nations Unies pour réfugiés palestiniens (UNRWA) dans Palestine pendant que la guerre a toujours à continuer dans la région. Détail avec Gentil Augustin Junior. Malgré opposition États-Unis, législateurs israéliens ont voté proposition loi à 92 voix en faveur et 10 contre. Porte-parole département d'État américain Matthew Miller dit: Ils ont vraiment joué un rôle qui pas qu'à remplacer Kounia dans Gaza parce que ils ont une bonne position pour joindre aide humanitaire pour bail moun qui n'en besoin. Gen en pile réaction après parlement Israël là interdit agence Nations Unies pour fonctionner dans la région. Chef UNRWA, Philippe Lazzarani, dit dans une note, interdiction Israël sous opération organisation en dedans pays a pral aggraver souffrance palestinienne si tout dans Gaza. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, bon côté parle dit, appliquer loi ça ka gen yon conséquence dévastate. Porte-parole Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens dans Jérusalem dit après interdiction: UNRWA pas qu'à remplacer. UNRWA c'est essentiel là. Réfugiés palestiniens yo exprimé inquiétude yo jeudi mardi 29 octobre là sous proposition loi israélien qui interdit fonctionnement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens yo. UNRWA pour nous c'est un état, li bay éducation, manger, service médical et tout service nettoyage. Législateur qui t'a écrit proposition loi ça, t'a mentionné participation quelques personnels UNRWA dans attaque qui t'a faite dans site Israël 7 octobre 2023. Yon l'autre côté, Rad, Liv l'école, Akmeb, gayé nan mitan de brio jodi mardi 29 octobre là après yon attaque Israël dans Bekaa dans Liban. Après président Biden fin voté dans Delaware, dans vote bonnet, l'ité répond question journaliste sous la guerre Gaza et dit: nous besoin yon se selfie. Nous ta dwe mette fin dans la guerre ça, alors que hier lundi ya, groupe armé Hamas la publié yon vidéo côté ap attaqué yon chalame Israël la nan Jabalia. L'armé Israël la bon côté parle, dit soldat yo te arrêté environ 100 militants Hamas yo suspect pendant attaque yo sous l'hôpital Kamal Adwan dans Camp Jabalia. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis hier dossier Moyen-Orient ça, et ben surtout à attaque Israël sous Iran et dans mitan yon réunion dans Nations Unies. Marie-Lise Pierre, gen détail. Les États-Unis ont averti Iran en Conseil Sécurité Nations Unies lundi 28 octobre passé sous conséquences graves qui a gagné s'il entreprend n'importe l'autre acte agressif contre Israël ou soit personnel américain dans Moyen-Orient. We will not hesitate. Nous pas pas hésiter à agir dans défense propre tête tout. C'est pour pas gagner aucune confusion. États-Unis pas veulent plus escalation. Nous quoi ça t'a doué une fin dans échange direct dans tirer coup de zame entre Israël avec Iran. C'est ça ambassadeur américain aux Nations Unies Linda Thomas Greenfield te dit conseil 15 mois blanc. Conseil sécurité a été rencontré après Israël t'a frappé factory missile à l'autre site dans Iran avant d'ouvrir jour samedi passé à. C'était vengeance pour attaque qui était faite dans Iran 1er octobre là sous Israël à peu près 200 missiles balistiques. The responsibility for this dangerous escalation lies ambassadeur Iran Nations Unies Emir Saïd Iravani accusé Washington comme quoi il est complice grâce à support militaire pour allier l'IA. Iran était toujours défendre diplomatie, il était dit conseil là. Cependant, comme un état souverain,
République islamique Iran réserve le droit pour répondre dans un moment li choisi zak agression ça. I for the pact of terror. Ambassadeur Israël des Nations Unies Danny Danon demande au Conseil de sécurité pour imposer sanctions qui pas gain en pile sur infrastructure militaire et économique Iran et puis prend mesures qui nécessaire pour empêcher un régime fou vive jouer une capacité nucléaire. Il était décrit attaque Israël sur Iran comme mesurée et proportionnelle. Et il était dit que il a continué de faire tête. Ambassadeur des Nations Unies, la Chine, Fu Kong, demandé pour Conseil de sécurité des Nations Unies en prendre action pour pousser pour un cessez-le-feu tout de suite dans Gaza, à qui on désescalade dans la bataille entre Israël et Liban. Ambassadeur des Nations Unies, Barbara Woodward, il dit que Iran n'a pas dû répondre à l'attaque Israël en fait ce maintenant. Il était dit tout côté où doit faire exercice contrainte. Pas gain aucun bon bagage qui arrive dans vider plus gaz sous flamme du feu ça capable augmenter violence là. Toujours dans actualité internationale, la 16e conférence Nations Unies sur biodiversité COP16 a déroulé dans ville Cali dans pays Colombie. Dans occasion conférence ça a gagné quelques autorités, quelques chercheurs pendant il a présenté crise climatique là mentionné un paquet pied bois qui essentiel pour avenir planète là gain plus passé 16 000 espèces pied bois qui menacées pour yo disparaître et étude ça qui fait sous pied bois ça yo tout profiter lancer un appel pour sauver pied bois ça yo qui protéger l'avenir. Conseiller, yon l'autre côté, conseiller président haïtien Leslie Voltaire, eh ben, t'es tout profité de forum ça pour rencontrer avec secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres et réaliser plusieurs rencontres bilatérales. Faut dire que forum sous diversité a fini 1er novembre Cap Vinila. Et puis, actualité en pays d'Haïti, crise politique là, continue à offrir divers développements 6 mois après CTPA monté sous pouvoir. Actualité en pays d'Haïti, dans un petit moment, après pause là. Actualité dans le pays d'Haïti, presque un mois depuis l'école l'ouvrit officiellement, en pile timoun poko capable de reprendre chemin l'école. Yon correspondance depuis Port-au-Prince. Les côtés violence et insécurité pas permettre l'école fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel. La Saline, c'est une parmi quartiers dans Port-au-Prince, porte l'école aurait été fermée à cause de violence gangue depuis plusieurs années. Si moun yo ki pa sonje depi ki lè yo chita sou bon l'école te manifeste nan kati yo pou fosi autorité yo voye je gade yo. L'école ferme pa pou moun ki kal l'école, moun ki gen mwa gwo piti pi l'école l'autre côté. Moun ki chi mè prepe ya fè sa yo vle gade l'école ki ka ouvre gado l'école an ba. Moun fè pil valade. Pa pou moun ki kal l'école, yo ferme tout l'école net. Dal mè pou l'école ouvre pou piti ta ou moun demè. Pour l'État faire toute l'école ouverte, pour moi l'école ça laisse ouvert à toute l'école lycéenne. Les gens qui nous font battre pour passer l'école lycéenne, même moi si on y aura qu'à l'école. Et bien, je suis dans la salle, je n'en ai pas à faire un école. Je suis dans la garde, je suis dans la lycéenne là. Je ne sais pas comment on fait, je suis dans la garde. On fait la garde, on peut battre. Si en baptême, nous besoin yon appli l'éducation pour la Saline Kafleri, professeur l'école la Saline yo, koré revendication timoun yo. Nous tout secteur, toute organisation, à tout le monde qui vit dans la Saline, nous continuons à mettre toutes les ressources nous ensemble jusqu'à ce que les gens qui concernent prennent engagement pour espace l'école dans la zone en tant que lycée national la Saline, Don Bosco, Salésienne, centre d'éducation des enfants démunis de la Saline, là côté nous est là. Jouer un accompagnement à pour réaménagement pour l'école ça y a réouvert porte pour l'appli l'éducation nous besoin. Tombé sous la saline pour l'espoir carré boujonné. Dans la commune Kafou, revendication yo pas différent. À côté mauvais la vie a connaît, ti moun ka vive dans cette dake là yo même tout, qui plus passé 3 années depuis yo pas à l'école. Employé yo qui t'a manifesté dans la cour centre là a expliqué. Ti moun yo pas à l'école parce que yo pas gen souliers, yo pas gen uniforme, yo pas gen matériel scolaire et employé yo pas touché. Ti moun yo vient 3 ans depuis yo pas à l'école ici. 3 ans. Cependant, président collège transition Leslie Voltaire fait connaître éducation pays c'est priorité pour voir en place là. Nous avons un budget pour l'année 2024-2025 là, c'est ministère éducation nationale qui joue un petit gros morceau. Ça montre nous place éducation en période transition. 42,58 milliards goud, ministère éducation nationale et formation professionnelle sorti avec plus gros enveloppe dans budget exercice fiscal année 2024-2025 là. VOA Créole Port-au-Prince.
Toujours dans le pays d'Haïti, Dr. Claude Joseph, leader parti EDA, a demandé même parti li qui est dans le gouvernement pour pas siéger à conseil ministre là avec trois conseillers qui impliqués dans le scandale BNCA. Yves Manuel. Leader parti engagé pour développement aidé confirmé li voye yon correspondance ak ministre défense lan Jean-Marc Antoine Berthier côté le mandel pas participer dans anken conseil ministre avec trois conseillers qui impliqués dans scandale 100 millions goud BNCA. Nous écrit ministre défense pour nous mandel pas participer dans aucun conseil des ministres. Et de fait, n'a aucune rencontre qui vient toi, M. Savaladam. Ancien locataire privatien continue exiger pour mettre sous côté trois conseillers SAO, une façon pour éviter KPTA pas éclater. L'imandé président conseil présidentiel là, Leslie Voltaire, avec chef gouvernement Gary Conny, pour prendre acte que M. SAO y a inculpé. Juge instruction Benjamin Fils-Aimé convoqué conseiller président Louis-Gérald Gilles pour 19 novembre Cap Vinila, toujours dans le cadre dossier ça. Convocation Raoul Pierre-Louis, ancien directeur BNCA, qui lui-même doit répondre à la question du juge là, 12 novembre, qui a fini là. N'a fait qu'on est, Premier ministre Gary Conny, te boucanté la parole, journée madien, avec représentant accord 21 décembre, sous possible remaniement dans le gouvernement. Selon M. André Michel, qui a participé dans la rencontre là, message là, t'es clair avec Premier ministre là. Redressement transition politique là, doit passer inévitablement par mise à l'écart conseiller présidentiel qui cité dans le rapport ULCCA et actuellement qui inculpé devant cabinet d'instruction. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Ou sous VOA Creole, nous avons mis depuis Washington. En Haïti, un atelier 3 jours, le ministère de la Justice a organisé en faveur brigadier sécurité publique sous thème sécurité publique et environnement scolaire. C'est un atelier qui visait renforcer capacité brigadier pour améliorer sécurité dans la zone établissement scolaire. Depuis 17 octobre passé, NEC Améo intensifié série attaques qui était qu'on habitué fait sous quartier Solino et Akaye pour prendre contrôle de zones saio. Ça qui la cause, plusieurs dizaines d'habitants courus quitter la caillou pour pas victime en babal à tout fait. Mais ministre justice et sécurité publique là, M. Carlos Sécule, dit force l'audio gain contrôle situation hein, contrairement à ce qu'a dit, lui fait connaître que gouvernement pas fait bac devant bandit. Pour nous la cahier, tant bien que mal, la police arrive et compte tenu situation, la police est présente, même genre au niveau de son, la police est présente, et d'a fait tout ça que nous connaissons, la police, les forces publiques a fait tout ça que nous connaissons, Solino pas tombé. Ministre Justice, là, M. Carlos Sécule, fait déclaration ça dans le cadre d'organisation, un atelier formation 3 jours, ministère de la Justice et Sécurité publique a organisé en faveur brigadier sécurité publique pour capable améliorer sécurité dans zone établissement scolaire. Renforcer sécurité pendant période l'école là, mais le outil sécurité c'est pas seulement question et protéger de simon contre criminalité que nous connaissons, mais c'est surtout yon accompagnement, le yon même, y a rentré l'école, le y a sorti l'école, parents yon tout sur nous, avec question de véhicule et de moto. Atelier formation ça, t'es démarré lundi 28 octobre 2024 là, pour clôturer demain mercredi, l'a déroulé sous thème sécurité publique et environnement scolaire. Wenan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Ou toujours sous VOA Creole, pas déplacé, n'a pas tourné dans un petit moment. Et puis, défilé Lagos Fashion Week 2024 là, nous prenons le détail avec Sandra Lemaire. Super vedette Afrobeat, Davido, surprend fanatique yo 24 octobre, lors de participer dans le défilé Lagos Fashion Week 2024 là. Davido participé dans le défilé Maudisrad, garçon nigérien qui relait Hugo Monnier.
li mete chanm ak pouvoi vedèt li pou promouvoi Ral Monsieur epi bay patisipan yo gwo kè kontan. Let me just tell you, Nigerian designers are not playing. Le ditem di yo, modis Nigerian yo pap jwe non, mte kontan, epi mwen reme surprise Davido a nan fin an. Sete suk sou bonbon, perfeksyon. Lagos Fashion Week, se yon nan pi gwo defile mode Afriken yo, e li deroule chak ane nan kapital Nigerian nan. I will describe the Lagos Fashion Week 2024. Nta dekri Lagos Fashion Week 2024 la kom inklizif. Nou gen manken ki gro, nou gen moun tout koule, ak moun tout tay. Pi bel mouman, sete Davido. Lagos Fashion Week lanse en 2011 e li vin tonen depi lè a un platform important pou montre koleksyon rad modis Afriken yo e pi klere lumyen sou sak a la mod an Afrik. I think it's great. I think... Li di m kwa se yon bel bagay, modis yo amelyore, kalite travay yo amelyore, variyete a amelyore. Men, m tan remen wè, plus modis fam. Tem Fashion Week Lagos la, ane sa, se te komune. El ite vize celebre l'esprit kolaborasyon a kreativite modis Afriken yo. Sandra Lemaire, VOA, Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire et c'est avec Daniel Potasia que nous avons été fin dans le programme. C'est un plaisir. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain. Normalement que trois conseillers SAO mettez avec Raoul Pascal Pierre lui, mettez avec un certain de Léandre, mais trois nexaïo, yo ta doué passer devant carré juge Benjamin Félix-Mé Désir Venesse et qui est ancien premier ministre Claude Joseph. Monsieur dit, et la ville avec extrait sonore, là. Monsieur dit avec PM Gary Conille, li pa gen droit chita avec trois conseillers qui nous cité dans le scandale corruption. Et Claude Joseph dit que PM Gary Conille, li pa droit chita avec trois conseillers qui nous cité dans le scandale corruption BNC. Nous allons regarder ça en détail. Désir, Venesse. Gen militant politique Rosemont Jean, monsieur qui clairement dit nation, pendant que Leslie Voltaire, l'autorité dans l'État, monsieur allé dans le pays Colombie, il a profité selon Rosemont Jean, puis est capable d'enterrer le dossier colombien qui tuait Jovenel Lyo, et ou qu'a saisi tant d'avant longtemps, qui a libéré trois, libéré ensemble Colombien ça yo. Donc, je dis à mes amis, veille en haut, veille en bas, pour nous, est-ce que Colombien Sayo, est-ce qu'il a libéré ou dit, est-ce que, comment dossier s'appréhendait selon Rosemont Jean, Désir Venesse? La citation, c'est Claude Joseph. Mandé, fort que trois conseillers présidentiels, yo, Patachita, même côté avec Gary Conille, ou bien fort que Gary Conille, Patachita, même côté avec trois conseillers, yo, parce que yo pas catholique, yo représenté trois braqueurs, yo représenté trois gros assassins, qui t'a fait pression sous ancien président conseil d'administration BNCA pour de prendre l'argent et ben gagne des acteurs gagne des monde gagne des leaders organisation politique qui dit conseil présidentiel yo t'a de faire rebondissement by Gary Conille même genre tout parce que dans date 16 janvier 2024 et bien premier ministre docteur Gary Conille t'est accusé elle t'est même sibi yo mandat arrestation internationale dans ça qui gagne pour avec affaire CNEA ensemble monde ça regarder. Yo di, Dr. Gary Conille, krasé CNE, pren ensemble matériel CNE yo, voye bay la médaille ti, c'est pour le cas tout désengagé dans le dossier CNE à côté, yo te mette mandat d'arrêt de yel, et yo te allé au niveau international. D'après décret sur organisation et fonctionnement, CPT à Blaise Person, li pata doué, même occupé, position ça, que Claude Joseph a essayé avancer selon divers acteurs qui ont réagi. Qui donc? Affirmé que ministre défense là pas de chita bon côté trois conseillers qui c'est victime yon rapport politique qui soulevait question application équitable à principe même yon ensemble des acteurs qui a regardé question même principe ça t'a dû appliquer pour premier ministre là pendant réunion conseil ministériel à gouvernement finalement est-ce que yon principe t'a dû appliquer seulement les lieux appropriés pour yon groupe moun en dedans société à ces questions qu'a posé.
concernant ça qui est pour avec constitution conseil présidentiel transition hein, président pays d'Haïti ou bien proposition qui accepte le gain là-dedans la valasse pour qui ça c'est un problème pour kounya qui côté intérêt pays a ces questions yon ensemble citoyen à poser face avec ça qui est là Brest Peterson depuis Denis Sankins prend dans yon seul gain soulier ça vient la cause que la porte démenti à travers notre ambassade là fait sortir sous ça qui est pour avec une photo qui viral côté Jimmy Cherizier avec Denis Sankins chita face à face bien que nous avons public cap dit c'est fake news li pas vérité blessation ambassade États-Unis ambassade États-Unis dans pays d'Haïti démenti que ambassadeur américain accrédité en Haïti a Denis Sankins t'a rencontré avec Jimmy Cherizier alias barbecue porte-parole coalition vive ensemble qui donc photo qui montre diplomate américain chita face à face avec leader groupe criminel yo c'est faux selon ambassade là selon ça ambassade là fait sortir pendant journée ailleurs Blaise Peterson ça veut dire arriver dans situation pour yo porter des menti mais kounya est-ce que ensemble de l'autre bagaille cap dit yo si yo pas porter des menti sou yo est-ce que yo d'accord que c'est vérité non bay zap avec bandi non bay l'argent avec bandi en dans pays a cap théoriser population pas oublier gen yon structure politique qui rele frein qui en dedans pays a qui gen Guy Philippe là-dedans qui gen Jean-Tel Joseph là-dedans qui gen également ancien ministre travaux publics transport à communication na Sensei Nader parce que bon elle parle de Sensei Nader à son autre dimension mais Nader Nader Joiseus il fait partie plateforme ça dirigeant plateforme politique force révolutionnaire entente nationale frein non bay yo conférence pour la presse 27 octobre qui est passé là. Yo dénoncé international là, qui a planifié complot pour sous question assassin pour assassiner ancien sénateur Guy Philippe. OK? Regroupement, représentant, regroupement frein yo dans notre pays là. Dénoncé communauté internationale là qui a fait un plan pour assassiner Guy Philippe. Passer information si là ou qui n'en qui n'en frein partagé. Même si tu ça dans notre pays, mon communauté internationale là pour suspendre persécuter Guy Philippe, mais yo mandé plutôt pour mettre en accord trois membres KPTA qui impliqués dans scandale BNCA dans volant l'argent l'État, dans volant l'argent en dedans pays pendant tout le monde a plein du pays à pauvre, si moun pa kal l'école, c'est pendant genèg kap volant l'argent l'État jusqu'à présent et autorité au ferme yeux sur yo, yo pas décidé di rien et même fait rien. Dossier corruption en dedans pays toujours. Employé Bureau des mines et des énergies, Blaise Peterson, dénoncé directeur général institution SILA, Claude Prepti, à ADM, je voulais parler de Marie-Nicole Dieudonné, qui t'a détourné l'argent l'école, employé, qui t'a pris passer 3 millions de groupes. Nous t'a dit tout le monde dans le pays, semblait arranger yo, pour y rentrer dans le volet. Ensemble, nous avons pris pour servir yo, yo tout rentré dans le volet. Parce que regardez dans le conseil présidentiel de transition, il y a 3 volets, malgré que c'est volet. Eh bien, la justice a fait réticence, je vous le faire travail, ça permet tout le monde à PCOR, si tout le monde a fait un volé, tant que l'autre l'a dit là. Ouais, si tout le monde a fait un volé, il a volé, et puis pays a crasé. Selon employé, directeur a fait détournement l'argent ça, pour le capable, faire fête institution qui a privé juste dans le mois de juillet 2025. Selon ça, un employé a fait qu'on est, Blaise Peterson, comme raison qui fait libre l'argent, et pour tout le temps, employé, pas qu'à voir petit yo l'école. Yo abdomi dans la rue. Yo doué yo pas qu'à payer. Pour ne citer quelques dans ça, ensemble employé yo, te mentionné dans la question ça. Ensemble employé ça, Blaise Peterson. Yo mandé, membre conseil présidentiel transition. Yo mandé, premier ministre, docteur Gary Conny, comme de facto, pour prendre responsabilité, pour yo faire intervention, pressé dans quatre dossiers ça. Youri la tortue, tourné devant raconter encore. Yuri la tortue tourné devant raconter encore. Après juge Dimitello, Magonaïve, te lavé blanc ou la neige, après Conseil Sécurité Nations Unies, te fin épinglé. Et bien, Conseil Sécurité Nations Unies retourné avec Yuri la tortue encore sous une liste que Yuri met surtout liste finale là. Ça permet que Yuri la tortue déjà a couru dans micro diverses radios pour la parler. Blaise Peterson. Situation de Yuri pour paraître extrêmement compliquée. 28 octobre qui se passe à Blaise Peterson fait exactement telle année assassinat homme politique homme d'affaires Éric Jean-Baptiste qui nous songeait qui t'a perdu la ville non guette à prendre qu'il t'a prend dans la boule 12
et situation là jusqu'à présent li ki te mauvais goût dans bouche population. OCNH dénoncer violence armée population Delma 24 a subi surtout dans Solino. Maître Camille Oxyus critiqué chef exécutif là qui pas fait rien pour contrer carré criminel yo et qui violer et puis touyer population hein. Directeur exécutif OCNH là plaider en faveur matériel qui pi acceptable pour capable aider PNH dans opération qui a mené pour marcher prend bandit tout partout côté retrouvé. Pendant n'a parlé des conseillers qui n'en vont là qui c'est assassin c'est criminel et des conseillers présidentiel Fritz Alphonse Jean Smith Augustin yon nan vol yo Laurent Cessier représentant et secteur privé des affaires criminelles en même temps Laurent Cessier représentant secteur privé vol assassin qui distribue des armes dans pays a qui fait toute qualité exaction et Régine Abraham Louis Gérard Gilles yon nan braqué BNCO ben yo te entendre nan yon chita pale non séance de travail toujours le 28 octobre 2024 là à commandant chef force la médaille d'Haïti vous voulez parler de lieutenant Debi Guerrier à directeur général police nationale d'Haïti vous voulez parler de monsieur Normile Ramou plusieurs policiers et officiers dans la MEA te participé tout conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean te dirige réunion ça et te gen pour objectif évaluer mes autorités au droit plan pour faire face avec insécurité cap valitaire sur tout territoire national la situation. Désir Venesse, et nous allons venir avec quelques réactions, parce que c'est important pour nous entendre, parce que nous avons fait débat, nous avons fait analyse, mais en même temps, tout, nous avons fait nous entendre de ces deux acteurs. Et le bagage qu'on va l'ajouter Désir Venesse, pas oublier l'élection États-Unis, c'est dans moins qu'une semaine encore, et bah, elle a commencé sérieusement, et Baba nous menti, Donald Trump a commencé vraiment à serrer pour monsieur là, parce que monsieur a des séries de monde qui a supporté. Et qu'a fait de propos, et pas seulement côté haïtien, parce que dans un meeting que Donald Trump a fait, c'est dans New York, si je ne me trompe pas, il y a aussi côté monsieur, c'est un humoriste ou un comédien, monsieur qui était anti-Porto Rican ou cap de Porto Rico, de un tizi les fatras. Mais bon, c'est républicain, ça, c'est des paroles qui étaient mon monsieur. Mais les gars, je n'avais jamais parlé, monsieur. En tout cas, Porto Rico, c'est vrai, par contre, si vous avez droit de vote pour l'élection des États-Unis, parce que vous avez Porto Rico, c'est m'a dit, c'est à un petit îlet des États-Unis. Vous comprenez, vous avez dit, hein? En tout cas, Donald Trump a dégagé la veille, mais Baba nous menti, élection 7 novembre qui va dérouler les États-Unis là. Porto Rico, non, désir, m'a bon menti. Et go pile suspense dans l'élection, ça, tout. Ah, mon cher, gede mon ta prédit. Un citoyen. Monsieur qui connaît habitué prédit l'élection aux États-Unis, et monsieur qui a plusieurs dizaines d'années, la prédit l'élection aux États-Unis, et bien, dans la prédiction que monsieur fait, il est que c'est Kamala Harris qui est devenu président. Bon, Kounia, est-ce que c'est. L'élection aux États-Unis, ça a une surprise, Bless. Non, mais c'est ça, m'dou. Autrefois, l'élection aux États-Unis n'est pas une surprise. Mais dans la dernière série, élection aux États-Unis, vous commencez à avoir une surprise. Haïti, ça fait qu'on y a. Vous avez dit, vous obligez tant l'on en réalité pour comprendre ça va aller à pied. OK? Et pas c'est Laura en Haïti qui a pédé, qui a bêtise à Figi Moun. Vous avez annoncé que Jovenel va mourir, Jovenel mourir. Vous avez dit, il a annoncé que la président de pays d'Haïti et Marie-Louis qui débute ça. Vous avez récemment li prédit sur la vie Annie Alert. Dans un pays sérieux, Haïti, comme un pays sérieux, on a prédit n'importe quoi. Mais est-ce que les États-Unis, lui-même, dans le cas ça, il parle de la réalité que si on a eu l'élection 7 novembre, et Kamala Harris qui a été président des États-Unis, et ça a inscrit pour la première fois, si ça t'a fait, que une femme présidente des États-Unis. Mais Kounia, est-ce que c'est possible? Parce que. Il n'est pas possible. Républicains habitués pour bois, non, mais démocrates qui ont déjà une élection. Songez Joe Biden, et c'est pas un hasard. Il était bail Donald Trump en bâton dans la dernière élection qui était organisée. Est-ce que Kounye a suivi que ou jouer un démocrate regagne l'élection encore? Si la PC d'autres mettait en question ensemble des conséquences que vous dites que les démocrates ont voté, est-ce que vote qui pral fait là, il pral tenir compte de ça? Parce que soit tant de monde de monde, soit qui n'en est signe, ou bien soit de monde qui pratiquement dans de l'autre des champs d'activité aux États-Unis d'Amérique, et surtout dans le building, si là, qui n'a acheté caille, revendre caille, et qui n'a eu même, ils ont montré que la situation est très compliquée.
pendant mandat et Joe Biden comme démocrate. Est-ce que ça va pas le permettre en pile dans faire des clics là ou essayer garder situation économique par rapport avec ça qui est là. Même monde qui dans plus bas niveau les États-Unis, il y a dit que bagala il vient prendre en ampleur dans qui niveau que bagaille vient cher. Est-ce que c'est démocrate qui cause bagaille vient cher ou bien c'est ensemble guerre qui gagne à travers le monde qui gagne impact sur tout pays à travers le monde là. Ouais, en plus monde pas fait pas essayer d'autre faire allusion avec ça. C'est vrai yo dit démocrate permettre que bagaille cher, mais ça qui gagne dans le monde là, il gagne reflet tout sur tout pays qui à travers le monde là parce que question je pas fait attends. Ne me kounya sa que sa sa que et américain qui États-Unis yo critiquer de l'administration Biden non et pas et trois copes de caissé pour voir en guerre en Ukraine en guerre en Israël et j'estime que trois copes a décaissé dans notre réseau l'État États-Unis a voué à financer que ce bataille à financer que ce gourmet c'est je dis c'est combien milliards de dollars que l'administration Biden a décaissé pour Ukraine c'est combien milliards de dollars qui a décaissé pour Israël et je dis à pas oublier lors de la guerre par exemple mon yo tellement après par rapport avec bataille Israël avec et Palestine non trois oui je tiens là l'armée Israël tué et bon dimanche qui était 27 octobre là il a lancé plusieurs roquettes là et moi dans pays dans Liban puisque on sait que oui on estime que je tiens que États-Unis et avec Biden comme président eh ben l'état doit être capable de mettre position pour empêcher que guerre ça continue entre Israël et Palestine et entre Ukraine et la Russie je dis et ça mon regarder parce que mon trouver non mais Kounia Blaise vous aller dans guerre ça yo mais Kounia est-ce que les États-Unis est-ce que l'administration Biden n'a cap empêcher des pays ça qui peut-être gain des intérêts qui propres avec eux dans bataille qui a fait les États-Unis qui a interféré pour dire camper. Yo fait plusieurs tentatives, soit des rencontres pressées d'autres gardes, qui ont campé avec bataille, c'est ce coup de feu qui a fait entre eux. Ou après, gagner, qui prend position, qui dit oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a l'autre qui dit, il n'y a pas de campé. Il a continué, fait attaquer. Est-ce qu'elle tape différent si c'était républicain qui te gagne, qui te gagne pouvoir? Il y a un bagage qui m'a besoin de garder. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Momentum. Est-ce que dans le moment ça, est-ce que c'est pas ça qui doit être fait? Qui a porté l'autre lumière, qui a porté l'autre changement à travers le monde là, qui pour faire un ensemble pays, lui veut comprendre qu'il n'y a pas à l'abri avec ça qui a passé dans l'autre pays à travers le monde là. Moi, c'est comme ça que je comprends. Mais ça, tout, il y a un gros impact sur l'élection qui peut aller pour faire là. C'est ça fait qu'on a dit, on n'y a pas une question des démocrates qui fait bagaille cher, mais cette situation mondiale là, blesse personne. C'est le monde qui a bouleversé. Tant que je dis, on va parler de Palestine, on va parler de la Russie, on va parler de l'Ukraine, qui est monde qui a tombé là-dedans. Et on regarde en Haïti qui part en guerre, il y a beaucoup plus de monde en Haïti que l'autre pays, mais nous en guerre avec un cannibale qui a mis là en pays. Très bien, très bien. Nous pas en guerre avec l'autre pays. Mais chaque jour, nous avons beaucoup plus de monde qui a mouru en Haïti que l'Ukraine, que l'Ukraine, Palestine. Et je dis, pas oublier, la Mexique là, pendant le week-end qui s'est passé, ou plus 16 personnes perdent la vie. Ça veut dire que tout le monde là qui a mouru. En République Dominicaine, puis Haïtien a perdu la vie, même si il y a des Dominicains qui a mouru tout, dans des situations qui a passé là. Même la France, peut-être, y a pas fait même bruit avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Mais, problème, non, les multiples. Qu'on y a, monde qui pourra le voter, il rete avec yo, les personnes, pour yo faire choix, bien calculé, avec qui est-ce qui a changé de données, qui a porté yon lot, et vision, gardez moun yo, moi-même, t'entendez Jean Roussel, Jean Roussel, t'es chanté donner le monde aux femmes. Est-ce que ça a privé à travers les États-Unis d'Amérique pour nous faire une autre approche politique avec femmes? Parce que moun sa yo, pas oublier, yo gen sens de maternité. Y a baille tété, y a caressé, yo gen l'amour. Est-ce qu'avec ça, yo pral transformer le monde avec Kamala Harris, une président? C'est un bon miracle pour le monde. Les personnes, yon femme rivée prête tête et la Maison Blanche pour les États-Unis d'Amérique. Moi-même, ça m'a dit que des élections 5 novembre États-Unis, ils prennent déterminer un paquet de bagages à travers le monde. M'a dit ça clair. Élection 5 novembre, non, qu'a fait aux États-Unis entre Kamala Harris et puis Donald Trump, ils prennent déterminer, mon cap vin président ou bien présidente, là, et l'avenir États-Unis, l'aime si l'avenir États-Unis, t'avais dit que pays États-Unis, et mon cap vive là-dedans, ils prennent déterminer tout, la vie reste maintenant, dans 4 prochaines années, ok? Et il va déterminer tout sous situation qui a passé en Haïti. Parce que je ne vais pas faire la Chine comme si tout ou sur les États-Unis, mais il va déterminer ça tout. Parce que l'homme dit,
élection 5 novembre n'a pas déterminé et ça va passer États-Unis, c'est parce que si c'est démocrate qui va continuer à pouvoir, bon, je vais réaborder, regarder question immigration, question économie, question avortement. Et si c'est républicain avec Donald Trump, bon, je vais regarder question immigration, question économie, question avortement. Parce que trois thématiques, ça y est, c'est trois thématiques clés, mettez avec ça les relations internationales que États-Unis développent avec des pays à travers le monde, qui fait une quatrième thématique clé, les que une tendance politique démocrate ou bien républicain qui prend pouvoir, il va déterminer ça pour États-Unis pendant 4 années mandat d'administration et parti qui prend là. OK? Et n'a dit tout. Et élection 5 novembre non, il pas seulement élection pour président, mais c'est élection tout pour sénateur, pour député, magistrat aux États-Unis. Qui donc c'est élection générale. Exactement. Que est-ce que si Kamala arrive présidente, libéral marqué l'histoire comme première femme qui prend pouvoir aux États-Unis? OK, bon, pas qu'elle dit comme premier noir parce que Obama fait déjà. Mais qu'on y a première femme présidente États-Unis, comment reste mon Napralwell? Est-ce qu'elle a une capacité de négociation avec des pays à travers le monde? Parce que je souvent pas une femme à diriger. Alors que, collé avec États-Unis, là, Mexique fait. Actuel président Mexique, là, son femme liée. Est-ce que madame le dit? Hein? Elle dit, est-ce que l'histoire, même que c'est la première fois, tout le monde, que Mexique, bon, femme président, lui? Est-ce que c'est un déclic qui fait avec l'actuel président du pays Mexique, là? Par contre, est-ce que tout vraiment pression et États-Unis, dans le moment, par rapport avec la bataille qui a développé dans le Moyen-Orient et Ukraine et la Russie? Et, le gars des deux gros batailles, ça y est, qui est capable de mener nous à n'importe un petit déclic, qui est capable de mener nous vers la troisième guerre mondiale, et qui est capable de tout. Dans le genre où ça va aller là, on a pris une décision ferme que une femme capable de mener les États-Unis. Une femme capable de mener le monde là, je vais dire ça. Parce que les États-Unis, c'est le monde là, mener. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Elle veut dire, là, c'est président, ou bon, président des États-Unis, ou c'est président le monde, mais ou c'est président le monde. Pas comme on dit, est-ce que Kamala Harris comme femme, si tout le monde est arrivé président des États-Unis, et est-ce qu'elle est capable de gérer la pression qui est là? Et, ou après, comment qui a critiqué l'administration Biden, qui est lui-même le vice-président, non, par rapport avec la guerre qu'a fait Israël-Palestine, à travers la guerre qu'a fait la Russie-Ukraine. Ça fait regarder ça, yo. Est-ce que tout si c'est Donald Trump qui avait président pour une deuxième fois encore aux États-Unis, et le pape capable de retourner président encore parce que, maman lui a payé États-Unis en ses deux mandats au monde comme président? Est-ce que Donald Trump, genre que l'a parlé là, il va redresser migration, il va redresser économie, il va faire ensemble de bagages dans les États-Unis, est-ce que le va le faire ouvrir? Ou dis-moi, est-ce que l'a plein pouvoir pour agir comme ça? C'est pas oublié. États-Unis, on sait très bien, il y a un système qui est implanté. Il y a un système qui est implanté. Et l'homme dit un système, non. On a gagné de président, on a gagné de sénateur et député, ou de vice-présidente, je ne vais pas mentir, un système s'en relève, la haute cour de justice aux États-Unis, il y a des juges aux États-Unis, il y a des congrès américains. Regardez, et pas de pitié, pas de pitié, non? Ou quand comme président, ou voulez acheter dans le propre gré par où? Mais attendez bien, si le congrès a, ou bien, si la Cour suprême, ou bien, et fédéral, et l'État au niveau fédéral, yo prend des décisions, pas qu'à faire rien, non, frère. Pas qu'à faire rien. Parce que, États-Unis, c'est pas le pouvoir d'un individu, non. C'est le pouvoir d'État. Et l'un dit l'État, ce sont les institutions étatiques. Et pour tout transit des désirs, vous imaginez que dans un pays, ou bien une institution qui est l'ULCC, Unité de lutte contre corruption, qui tendait un ensemble individu, qui était au conseiller président, dans un scandale de corruption. ULCC ne montrait pas à plus B que Negio,
yo vraiment impliqué dans scandale corruption. Koun yo outande, partisan di, son dossier qui son dossier qui planifié, son dossier pour capable crasser capeté, et pas vrai, et pas si, et pas ça. Alors que moun ke nou cité dans corruption, yo avoué que oui, yo t'a participé dans réunion dans chambre 408 dans hôtel Oasis. Bon mes amis, en sérieux.